drift away. Et bonjour à tous et à toutes, c'est RF Studio. Aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur mon mock de Mandalore. Voilà. Dans mes dernières mocks, on m'a dit souvent, c'est une très belle mock, mais tu la présentes pas assez longtemps. Ouais, tu fais des vidéos trop courtes. Donc je vais essayer de m'allonger un peu, voilà. Elle se situe sur une grande plaque grise, voilà. Je voulais le faire un maximum détaillé, pas trop grande, voilà. Donc on commence tout de suite par le premier bâtiment, voilà, il y en a deux. Voilà, ici c'est une espèce de restaurant, café, de brasserie, voilà. Une espèce de table, une baguette de pain, robinet. Trois civils en train de fuir, des chaises, des tables, des PC, voilà. On va passer. Ici on a un tableau publicitaire. Voilà, ici on a un Mandalorien qui a tué un civil. Ici on a une espèce de bloc végétal, voilà. Ici on a un Mandalorien qui tire sur les clones avec une moto jet. On a un manoir qui est allié avec les Mandaloriens qui tue un civil, voilà. Un autre Mandalorien. Ici un tableau holographique, une antenne, voilà. Ici le chef des Mandaloriens, voilà, qui est sur un jetpack et qui tire sur Anakin Skywalker. Voilà, la moto jet. Un autre manoir. Ici, on a un civil qui a été écrasé par les débris. Et les débris ont pris feu, donc il est en train de cramer. Voilà. Ici, nous avons la division d'Anakin Skywalker, la division rouge. Voilà. Ici, nous avons un clone normal qui tire avec un gros gun sur la motojet. Voilà. Ici, on a Anakin Skywalker qui se précipite au combat. Ici, on a un Arc Trooper qui tire. Ici, on a deux clones de mineurs, dont un là-bas avec un gros lance-roquette, un clone rouge classique. La chaussée s'est fait déformer par la chaleur de l'explosion, voilà. Une petite échelle là-bas. Je vais vous présenter le bâtiment en détail maintenant. L'écran holographique, je vous ai parlé tout à l'heure. Beaucoup de détails, voilà, une baie vitrée, beaucoup de détails. Voilà, je vais vous présenter la porte. Voilà, la porte. Une double porte de les magasins. Ici un panneau publicitaire. Voilà, j'aime bien aimer faire la forme comme ça. C'était très compliqué, mais j'ai réussi, voilà. Maintenant, je vais vous présenter l'intérieur du deuxième bâtiment. Voilà. Ici, on a un civil qui fuit. On a des armes. Voilà, ici, on a des PC, des caisses remplies d'armes. Voilà, un autre civil qui fuit. Le comptoir, voilà, avec un pilier. Ici on a un PC avec une chaise et un civil qui se cache derrière le comptoir qui a très peur. Ici on a une unité R2-D2. Ici on a une petite grille qui empêche les usagers d'approcher du monsieur, voilà. Et aussi j'ai fait un arbre très détaillé ici. Difficile à voir mais voilà, j'ai détaillé le plus que je pouvais. Voilà, je vous refais une vue de la mog, voilà. J'espère qu'elle vous a plu. Et pour mon concours, sachez qu'il reste très peu de temps. Voilà, ceux qui ont dit je participe, pensez à me rendre les mocs, voilà. J'en ai déjà eu une trentaine rendues, voilà, merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à commenter et à vous abonner. C'était RS Studio.